one of the things, we have a chapter in the Futures Fast Unit thing called Acceleration of the Acceleration. And it's the notion that while the speed of technology has been accelerating, the rate at which it's accelerating is accelerating. Alors bonjour tout le monde, merci d'avoir été arrêté sur la chaîne Tesla Franco. C'est mon premier vidéo. Évidemment, je vous demande d'être indulgent, mais je suis surtout sérieusement intéressé à connaître votre opinion, autant sur la vidéo, l'idée de la chaîne, que l'action même de Tesla. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans le bas ici. Mon nom est François. Alors, comme le nom de la chaîne l'indique, il va être question de Tesla et le Franco fait tout simplement référence à mon nom et au fait que c'est une chaîne qui va être 100% francophone. Alors, pour moi, Tesla, c'est vraiment clairement dans les compagnies les plus excitantes. En tout cas, personnellement, c'est la compagnie que j'ai le plus suivie en 2020. Puis, je trouve leur mission même là de la compagnie Tesla, qui est d'accélérer la transition vers l'utilisation d'énergie renouvelable. Je trouve la mission très intéressante. Leurs chars sont débiles. J'ai eu l'occasion d'avoir une Tesla cet été pendant quelques jours et ça m'a encore plus convaincu de continuer d'investir dans Tesla. Alors, dans ce premier vidéo, il va être question d'un article, d'un livre en fait qui est paru il y a quelques temps de Peter Diamandis et Steve Kotler, qui s'appelle « Future is faster than you think ». Puis c'est un livre qui m'a grandement influencé quand est venu le temps de prendre la décision d'investir dans Tesla, malgré le prix qui pouvait, aux yeux de certains, avoir l'air trop élevé. Alors, d'emblée, je veux mettre les choses au clair. Là, cette chaîne-là n'est pas du tout une recommandation d'achat de Tesla. Je ne ferai pas de recommandation sur le titre comme tel. Je vous laisse prendre vos propres décisions, à vous de faire vos recherches. Moi, voyez-vous, mon background n'est pas du tout en finance ou dans ce domaine-là. Je ne travaille pas là-dedans non plus. Moi, j'ai fait mes études là, en biologie moléculaire fait ma maîtrise sur une maladie, une anomalie qui s'appelle Axenfeld-Rieger, qui entraîne une augmentation de la pression oculaire puis qui aboutit souvent à un glaucome. Fait que vraiment, je travaille pas dans ce milieu-là. Par contre, des gens que, si vous êtes intéressé au titre Tesla, puis si vous connaissez le titre, vous connaissez sans doute ces gens-là, Cathy Wood de ARK Invest, Tasha Keeney aussi. C'est des gens qui ont beaucoup plus de connaissances là, dans le domaine que moi, puis qui ont une opinion plutôt favorable par rapport à Tesla. Il y a également là, ces gens-là, Gene Munster de Loop Venture, Ron Barron aussi de Barron Capital, que leur idée est très claire, puis c'est des gens qui parlent régulièrement aussi avec Elon Musk, fait que j'aime écouter ce qu'ils ont à dire. Ross Gerber aussi de Gerber Kawasaki, qui est une autre personne que vous pouvez suivre, soit sur Twitter, essayer de trouver des vidéos sur YouTube, qui ont une bonne connaissance de la compagnie Tesla. J'ai pas toujours été un fan de Tesla. En fait, jusqu'en décembre 2013, je connaissais pas du tout la compagnie. J'ai entendu parler pour la première fois lors d'un voyage d'autobus avec mon garçon pour le hockey. En parlant avec un père d'un autre joueur qui me parle de Tesla, puis il parle de voiture, comme le taux de ses rêves, c'est d'avoir une Tesla. Puis pour être honnête, j'aime les véhicules, mais je ne suis pas un maniaque de véhicules, puis je ne connaissais pas du tout là, la compagnie. Dans l'équipe, il y avait un autre parent qui était un ami qui, lui, avait des investissements en bourse. Fait qu'il me parlait régulièrement de bourse, puis j'avais un intérêt naturel vers ça, mais j'avais... À part de dire que j'avais des REER, j'avais pas d'investissement personnel. Fait qu'en novembre 2014, j'avais décidé pour m'obliger à suivre davantage ça, à faire un premier investissement. J'ai fait un investissement dans mon CELI. Puis entre novembre 2014 puis janvier 2020, j'ai régulièrement réinvesti dans mon CELI. Tout ça pour dire qu'au début de l'année 2020, là, mon CELI était plutôt rempli, là, mes cotisations permises. Ça allait bien, plutôt bien même. Puis, mais j'avais toujours pas de Tesla. Puis, je me souviens qu'en début d'année, il y avait le conflit entre la Chine et les États-Unis qui se dessinait. On commençait à entendre parler aussi de l'épidémie, qui n'était pas encore une pandémie, mais vraiment, le coronavirus se propageait passablement. Fait que je commençais à vendre un peu, puis à être prudent, investir dans l'or. Je me disais, bon, c'est une valeur refuge.
Puis je riais de Tesla à ce moment-là qui était à 750 pièces, puis qui allait quelques semaines, quelques jours même plus tard atteindre les 900, 950 pièces. Fait que vraiment, j'aimais l'auto, mais j'entendais souvent, j'aime l'auto, j'aime pas le stock. Il y a un multiple vraiment trop élevé. Fait que, à part de dire que je trouvais que le multiple était élevé, je peux pas dire que je m'étais intéressé plus qu'il faut à l'action même de Tesla. Même si j'aimais suivre ça parce que je commençais à m'intéresser de plus en plus, puis à tourner la tête quand je voyais une Tesla passer pas loin de chez nous. Alors, en mars est arrivé ce que tout le monde connaît, la pandémie, puis vraiment, pour moi, ça a tout changé. Ça a changé dans le sens que les sports de mes enfants ont complètement arrêté. Fait que je me suis retrouvé les fins de semaine à avoir beaucoup plus de temps libre. Déjà au niveau du travail aussi, ça a été arrêté complètement. Ça marchait un peu au ralenti avec le télétravail qui n'était pas tout à fait encore installé. Fait que on avait un peu plus de temps libre. Parallèlement à ça, j'ai un de mes très bons amis qui me suggérait la lecture du livre The Future is Faster Than You Think. J'ai regardé une vidéo que je vais vous mettre en lien puis je vais faire jouer là, un extrait. C'est une vidéo qui dure 1 heure, mais il y a quelques extraits là-dedans là, qui ont vraiment là, complètement changé là, du tout au tout ma position par rapport puis mon idée par rapport à Tesla. He defined a singularity as, so one of the things, we have a chapter in The Future is Faster Than You Think called Acceleration of the Acceleration. And it's the notion that while the speed of technology has been accelerating, the rate at which it's accelerating is accelerating for a number of factors that we discuss. Yes. And, you know, if you think back of it, I did this for my Abundance 360 summit we just finished. I look back 100 years and I searched, what were the innovations in the year 1920? Oh, wow. And I looked at everything. I mean, headlines, articles, patent and trademark office. There were four that I found. Four. You want to know what they are? Yes. Okay. The first was the first commercial radio station out of Pittsburgh went online. The second was the Band-Aid. The Band-Aid was the Band-Aid was invented in 1920 specifically. Who invented it? It was a worker Band-Aid. At a Johnson. The Band-Aid. It was at a Johnson & Johnson, one of the workers there. There was the three light traffic light with red, yellow, and green was in 1920. And the fourth one, let's see, I think it was either the Q-tip, might have been the Q-tip. But I mean, so that was it. That was the year 1920, right? If you were to compare the rate of innovation in the year 2019, there's probably tens of thousands of things, hundreds of thousands that raised that level of uniqueness, innovation, and so forth. And it's explosion in innovation, and it's not slowing down. And so that makes the world interesting. And rate, a lot of that is predictable. I can predict computational speeds next year. I can predict a little bit better robots and so forth. The singularity is a point at which the rate of speed is so fast, it's unpredictable what happens next. Alors, dans la vidéo The Future is Faster Than You Think, il y a deux choses qui m'ont frappé. Il y a d'abord l'accélération de l'accélération. On est vraiment dans une période où il y a un développement qui est comme ça. Fait que c'est pour ça que l'idée d'investir dans des technologies perturbatrices, là, des disruptive companies, là, ça vient me toucher beaucoup. Là. Tu sais, ce que ARK fait, je trouve que ça fait vraiment du sens. Parce que, puis pour ce qui est de Tesla comme tel, plus particulièrement, bien, il y a une convergence de trois champs là, majeurs, la robotique, l'intelligence artificielle, puis le stockage d'énergie. Puis, fait que c'est ce qui. Tesla, c'est tout ça en même temps. Alors, quand je vous dis que la pandémie a tout changé, ben en mars, ben c'est ça. Le temps est arrivé. J'ai fait mes premiers achats de Tesla en avril 2020. Je me souviens, j'ai acheté ça, mes premières le 20 avril à 729,70. Puis, veux pas, honnêtement, c'est une compagnie que je suis content de posséder. Évidemment, je ne suis pas un actionnaire majoritaire, mais. Il y a quand même un sentiment de fierté qui est relié à l'action de Tesla. Puis le deuxième achat que j'ai fait, je l'ai fait 10 jours plus tard, le 1er mai. Puis à 760, puis une demi-heure plus tard, c'est la fameuse journée où Elon Musk disait que le titre était trop cher. Fait que là, il avait perdu à peu près 60 $ dans la demi-heure qui a suivi.
Mais à ce moment-là, il n'a jamais baissé plus bas, puis il a rapidement remonté, là, puis il n'a jamais redescendu. Puis vraiment, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que un peu comme à mon image, mais encore plus fort, les actionnaires de Tesla, il y en avait plusieurs qui étaient vraiment convaincus puis fiers de posséder cette action-là, puis qu'ils s'en départiraient pour rien au monde. Fait que ça met moi de mon côté, là, à ce moment-là, au mois de mai, j'étais à peu près à 15-20 % en cash. J'avais pas l'habitude d'avoir autant d'argent de côté, mais là, à cause de ce qui se passait, là, je commençais à être plus prudent. Puis j'ai décidé de tout mettre cet argent-là dans Tesla. Même que quand l'action était autour de 1 000 $, je me souviens d'avoir peut-être passé très proche de tout vendre puis d'avoir juste des actions de Tesla. Ma conviction était très grande par rapport à Tesla. D'accord? Là, c'est pas une recommandation, c'est dans mon cas personnel, là, chacun a ses réalités. En juillet 2020, j'ai fait avec l'application Turo, j'ai loué un véhicule, un modèle 3. J'avais le modèle de base. Puis wow, j'ai été convaincu qu'un propriétaire de véhicule Tesla revenait pas en arrière après avoir eu une Tesla entre les mains. C'est vraiment, là, c'était un bijou. J'ai adoré ça. L'accélération, le plaisir de conduire à une pédale. Je sais pas si vous avez eu la chance. Laissez-moi le savoir. Je serais intéressé à savoir si vous avez une Tesla, si vous avez déjà conduit une Tesla ou jamais. Mais le plaisir de conduire une Tesla avec une pédale où tu touches jamais aux freins. Fait que tu changes peu tes freins, tu changes pas de changement d'huile, évidemment. Les propriétaires semblent dire qu'il y a très, très peu d'entretien. En fait, ils n'en ont pas d'entretien. Ils vont jamais au garage. Au lieu d'aller au garage, ils reçoivent des mises à jour. Fait que avec une Tesla, c'est un peu ça. Fait que, bref, le court moment où j'ai eu une Tesla, ça m'a convaincu que vraiment, on était rendu ailleurs, puis que vraiment, ça valait la peine de continuer d'investir là-dedans. Fait que tout ça pour dire qu'en date d'aujourd'hui, là, on est à la fin décembre, là, on est le 27, Tesla représente 62 % de ma position. J'ai jamais, pour être honnête, j'ai jamais pensé que j'aurais un titre à plus que 20 % de ma position. J'avais du Apple puis du Amazon beaucoup avant. Microsoft aussi, mais là, Tesla, ça m'a fait vendre même mon Apple. J'ai vendu mon Apple complètement pour me concentrer dans le Tesla. Mais fait que pour l'instant, j'ai 6 titres qu'honnêtement, j'adore. Puis évidemment, ma plus grosse position Tesla, je l'adore également. Alors voilà, ça m'a fait ce premier vidéo. Dans le prochain vidéo, je vous donne un mot précis pour l'action de Tesla. Disons que l'évaluation de Tesla, c'est un exercice qui n'est pas nécessairement évident, puis un exercice sur lequel plusieurs s'obstinent. Alors, je vous donne mon précis lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me donner vos commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce premier vidéo-là, ce que vous pensez surtout de la compagnie Tesla. Puis on se revoit la prochaine fois sur une autre vidéo sur Tesla.